il ne s'arrête plus. Il adore. Hein. Je vais lui faire un petit film personnel pour lui. Bon alors, ce sera pour lui quand il ira à Besançon. Où c'est qu'il est lui déjà? Il habite non. Oh, je sais plus. Dans le sud. Bordeaux. T'en penses quoi alors? T'es dégoûté? Alors c'est pour lui le petit film. Ah bah là ça tue. C'est vrai? T'en penses quoi? T'aurais la polisseuse si tu voudrais le faire. Hein. Ouais ouais. T'es dégoûté hein? Je ne sais pas. Alors bien quoi? Ouais nickel. Il n'en revient même pas lui non plus. Là je vais faire ça. Voilà. Il m'a dit au mois de février, c'est ça? Ouais. C'est tout à votre 55, t'imagines? On ne l'aura pas pareil, hein? Ah bah ben non. Non, hein. Je peux pas mentir. Hein. Non, mais... Ah non, ça arrivera, ça marche bien. Je n'ai jamais protesté non plus, parce que ça m'intéresse pas, moi. Moi, je... T'as qu'à essayer, hein. Oh, t'as une microfibre, vas-y. Hein. Bah essaye un petit côté. Tu grasses pas, je sais pas moi. T'en regarde. Essaye, je sais pas. Toi, souvent, tu t'arrêtes plus là. C'est comme ça, hein. Tu m'en es dans la main. Hein? Tu m'en es dans la main. T'as vu, t'as envie de prendre la voiture là. Elle est sale, on s'en fout. Elle est arrivée, ça va tout tirer. Donc, on va prendre ça. C'est quoi là? C'est le nord, c'est le nord. C'est le nord, c'est un peu. Voilà, on va prendre le chemin de nord. T'en reviens pas? Non? Franchement. C'est un peu cool, une microfibre. Hein? T'as la fond dedans, là, ça y est. Vas-y. Non, prends celle-là. Voilà. Merci. Prends celle-là, dis-moi ton regard. Il est en train d'essayer à la main pour voir si ça marche. C'est ton jamais, hein, je sais pas, moi. Regarde, il est à fond dedans, l'Olivier, ça y est. Et pourtant, t'en as fait des voitures à l'époque. Ah, à l'époque, ou peut-être pas si longtemps, non, je sais pas. Non, il n'y a pas longtemps, j'en ai encore une affaire à part le mardi. Là. Arrête. Tu vas prendre ton produit ou le mien? Est-ce que la question se pose? Oui, je sais. Non, tu te rends compte le potentiel ou pas? Ah non, franchement, mais c'est fou, quoi. C'est pas vrai. Ouais, et t'as vu, il y en a qui me prennent pour un con? Ouais. C'est bien, hein? Ça se fait déjà lourd, je te dis. Ouais, je sais. Tu sais, contrairement. Regarde, on se connaît pas et déjà, t'en reviens pas. Tu sais ce qui se passe? Non. Aujourd'hui, le mec, il a une Porsche, une Ferrari, tout le monde est content et fier de lui parce qu'il a réussi. En France, dès que tu réussis, t'es tout de suite vu. T'es... Bah, tu sais très bien parce que t'as passé par là. Oui, oui. D'accord. Moi, dès que je roulais en Audi à 5 ou quelque chose, je sais que j'étais le pire des bandits. Attends, je t'en prends un autre pour le. Alors, dans la poubelle blanche, j'aime bien essayer d'en trouver un. Pour le Madwatch? Oh, bah alors. Oui, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose, tu peux y aller. Non, bah, voilà, il n'y a pas eu grand. Tu l'as vu. Tu l'as deviné ce que j'allais dire, justement. Alors, non, alors s'il te plaît, tiens-la à plat. Voilà. Non, parce que, regarde, donne-la-moi. Parce que même si c'était ton métier aussi. Il n'y a rien de tel que ça pour ne pas faire des bêtises. Parce que le fait... Alors, je vais t'expliquer comme ça. Oui. Mais non, je vais t'expliquer pourquoi. Mais non, c'est pas ça, regarde. Si tu la prends comme ça, tu vas m'appuyer plus d'un côté qu'un autre. Ouais. Tu la prends comme ça, tu m'appuies plus là. C'est vrai. Je ne veux pas ça, moi. Non, c'est vrai. Et regarde, donc tu la tiens comme ça. Là. Tu fais ça. Là, en faisant ça, t'es à plat. T'es à plat, là, regarde. Je veux que tu fasses ça. Comme ça, on est bien partout. Regarde. On est bien partout, là. Tu fais ça. Là, j'aime bien. Là, t'as enlevé ses rayures. Là, on est bon. C'est que, moi, c'est... Je sais pas de pourquoi, mais moi, c'est inné à moi. Non, c'est logique, les gars. Regarde, allez, t'as pas dans la main.
Voilà, et en plus, on est même pas avec les packs que je vais recevoir. Imagine de quoi on parle. C'est du sur mesure. Bah alors du coup, but, c'est excusé maintenant. Comment tu t'appelles, Gaëtan? Moi, Thomas. Et ben lui, maintenant, il en veut. Et en parlant de Gaëtan, putain, je devais aller chez Renault. Je devais aller chez Renault. Oh là là, je devais lui donner du cartel aussi. Renault, Gaëtan, à garage mine. À quelle heure? On est quand, là, samedi? On est vendredi. Demain, samedi, ouais, d'accord. Oh, bah, je peux lui amener. Bah, viens, on va aller le voir. Et il est 7h. Oui, alors. Eh ben, vas-y, on va aller le voir. Au moins, je vais te faire connaître Gaëtan. C'est celui qui veut prendre une voiture, il va voir Gaëtan garage mine. Direct. Le moins cher, alors j'ai jamais compris pourquoi. Et lui, il te fait la même couleur. Alors, t'en penses quoi? Alors, si tu devais faire un débrief de la journée d'aujourd'hui, s'il te plaît. Vas-y, pour moi. Un débrief? Ouais. Non, tu joues pas avec ça. Eh, Kébi, arrête, hein, s'il te plaît. Mais qu'elle était très concluante parce qu'on voit toute la méthodologie que tu as et qui est dans qui va dans le bon sens, dans même dans le super bon sens, au niveau de la décontamination, du lavage, et que les produits sont vraiment faciles d'utilité. Ouais. T'as vu, mais... Denis, t'en penses quoi? Denis, franchement, c'est vrai. C'est un malade, quoi. Non. 68 ans. Hein. 68 ans. Elle a fait la voiture. Et elle savait polir, hein, parce qu'elle avait la technique. Tu lui expliques comment faire, tu as besoin de le dire une seule fois. J'aurais jamais pensé qu'une dame de 78 ans pouvait le faire. Ah. 68 ans. 68. Et puis même le rendu, quand tu vois comment il est arrivé ce matin. Et nous, on est choqués, parce qu'elle, ils sont tellement à fond dans leur... Parce que quand tu as fait une voiture, ça t'est déjà arrivé. Tu l'as fait, hop, c'est bon. Après, tu vas reposer tes yeux ailleurs, tu reviens, tu te dis, oh putain, les beules. Ouais. Ouais, mais ça, elle ne le sait pas encore. Non, ils le sauront demain. Parce qu'on est dans mon garage. Même étonnamment choqué, parce que pour quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de lustrer, c'est... Ouais, c'est... Bah, tu sais qu'ils ont bien joué. Moi, je n'irai pas que quand ils m'ont dit 90 euros. C'est pas que je les ai vus arriver. Je ne vais pas me moquer de qui que ce soit. Mais je me suis dit, non, ils ne vont pas la faire. On est dans un bleu, machin. Bah, ils m'ont choqué. Non, franchement. Je suis choqué. C'est qui a ramené ça? C'est moi. C'est quoi ça? Tu le sauras. Magic Clean, c'est un dégraissant surpuissant. Pour? Tout. T'as une microfibre? Ouais. Tu vends aussi ça? Tu sais que j'ai la gamme Koala? La prochaine fois, je parlerai des produits Koala. Bah ouais, parce que moi, je vais te montrer des trucs de malade. Bah, c'est aussi fort que ce que je te raconte. Ouais, je te crois, mais bon, j'ai ce que tu me montres là, n'oublie pas que j'ai. Hein. Ouais, mais c'est ce que j'ai, moi. Ça va être plaisir. Voilà. Mais tu sais que, en plus, nous, dans la gamme Koala, on est bio. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va arrêter les alcools, machin. Parce que, alors, je vais regarder tes pictogrammes. Et ben voilà. Ah non, mais tu vois, ça, je ne veux pas tout ça. Ouais. La gamme Koala, tu vois, c'est ça. C'est le pictogramme là, j'en veux plus. Et c'est ça qu'on va faire. Aussi puissant que ça, mais comme l'anticalcaire, sans acide. Oui, sans acide. Alors, on est bon. Oui, parce que ça, bah oui, mais après, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors après, je vais faire un petit film pour Facebook, parce que j'ai envie de Facebook. Maintenant, on va voir ton résultat. Donc là, j'ai préparé la caméra. Et on va pas redire, mais alors... Non, ça marche pas, hein. Alors, tu vois, je t'avais dit. Bah, enlève le scotch pour savoir déjà si ça fonctionne. Et vas-y avec ta lumière. Vas-y avec la lumière. Non, parce que c'est qu'avec la lumière... Que... T'as fait le matelot, c'est pas... Non. Non. Bon, c'est pas grave. Regarde si ça a dérivé ou pas. C'est ça que je veux savoir. Non, il y a un plus ou il y a un moins? Non, c'est comme si elle était là en carrosserie. Voilà. Bon, après, il faut prendre un pad hein, pour faire ce que tu as fait. Ouais, hein. Je pense. Ben oui, parce qu'on ne va pas le faire avec une carrosserie, on ne va pas lustrer avec une carrosserie. Non. T'es fier de toi ou pas? T'as enlevé les rayures, c'est bon? Bon. Est-ce que ça va? Bon, ouais. Oh putain. Non, oh là là, je te jure, toi. Quand tu vas sur la. On a vu, il faut travailler sur les deux aussi, pour l'avoir après. Je vais le faire un peu là. Enlever le rayon? Ouais, ça tient juste là. Elle est dans le coin? Ouais. C'est bien de se dire qu'on peut l'enlever comme ça. Non, on peut l'enlever. Et attends, ouais. Bah alors, je te fais essayer un pad, vite fait. Alors là, c'est un pad de malade. Un pad de malade. On en reprend là. Oh.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Franchement. Il a l'air sympa. Il m'a l'air bien celui-là. Alors celui-là, il enlève en deux secondes. Ou pas. Pas le laisser dans le temps. Et, ou pas. Je l'aime bien, on va mettre sur 25 aussi. Ah non, tu peux le laisser longtemps. Ouais. Je veux juste que tu enlèves la rire. Vas-y. C'est toutes les choses que j'aurais, tu vois, un peu tout ça. Hein. Hein, c'est parce que maintenant qu'on a la formule du 4-4, maintenant je cherche les choses. Et après, on a deux possibilités pour les choses. Non. Ah oui, tu vois, tu m'as fait un fond. Tu peux la tourner à fond. Ça fait. Ne t'inquiète. C'est un super produit. Ah oui. Et après les pâtes, là. Si tu mets un pas de mou, ça marche pas. Non, si tu mets un médium, ça marche pas. Si tu mets une lustreuse comme j'ai eu dans les mains ce matin, ça ne marche pas. Ah oui. C'est pour ça que les gens se permettent de critiquer alors qu'ils n'ont pas l'outil de travail. Ouais. C'est comme si tu as un essence et tu mets des pâtes. Et pourtant, c'est quand même une lustreuse de malade que tu as acheté. C'est une des plus chères aussi. Pas la plus chère, mais là, vraiment, ça vaut combien celle-là? Normalement, à la vente, elle a 300 euros. Voilà, je vais te le dire. Pas à l'achat. Hein? Pas à l'achat. Non, dans le vente public. Oui, prix de vente conseil, 330 euros. 330 euros, ben je vais payer 330 euros. 5 minutes, tu l'as fait. Tu vas payer 330 euros? Sur la raison. 330. Ben, je vais acheter moins 300 euros. Parce que ben, moi, j'y ai cru. Ben, débattement de 2,1. Et puis quand la pluie, ben, elle s'arrête, ben, elle s'arrête. T'as vu Denise, elle a carrément mis son corps. Elle a mis son corps et elle tourne. Oui, alors polisseuse électrique et rotative orbitale. D'accord. Ouais. Oui, et t'achètes ça? Ça va, hein? C'est pour ça que je suis dans l'eau. T'as des belles choses, toi, t'as pas dans la main. C'est pour ça que je suis dans l'eau. Oui, mais alors celle-là, je l'aime pas. Non, mais je trouve autre chose. Ah ben oui, ben moi je sais laquelle, hein. Et je sais laquelle. Elle est là ou pas? Viens voir. Ben alors on va en parler plus tard. Oui.
Parce que moi, il faut que j'aille voir l'équipe de choc. Ça aussi, il faut que je te fasse voir ça. C'est quoi? Les tâches télescopiques. Non, mais attends. Ah non, 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 après, ça, c'est quoi là, les gars? Ah, mais aussi, tu les tu sais combien il a d'objets, lui, à vendre? Il m'a dit 5000. 7500 références. C'est vrai, 7500 références. Ça veut dire que quand tu vas là-bas, c'est. Waouh! La cabane d'Alibaba, mais en puissance 10. Ben voilà, c'est ça qu'il me faut. Eh ben. Ça, je les veux. Bon, ben ça, je peux. Toi, il faut qu'on fasse des belles choses. Électrique. Électrique. Oh là là. Putain, tu peux l'avoir, ça? Ben oui. Ben allez, vas-y. Alors, je te l'ai fait. Et toi plus moi égal? Beaucoup. Mais comment ça se fait que tu as ça? On va s'expliquer. Alors, oui. Ne me le dis pas parce que depuis tout à l'heure, on est en direct. D'accord. Parce que j'ai voulu te c'est montrer. Dégueulasse. Ah ben non, c'est dégueulasse. Pas dégueulasse que t'es tellement amoureux de Pauline que t'as envie de. Regarde, lui, il est content. Ben maintenant, t'as un côté neuf. T'as une tâche propre, là. Moi, là, on t'a repeint. Je prends dans le principe, si je fais quelque chose, il faut que ça soit correct ou pas du tout. Oui. Je sais pas faire la moitié. C'est soit je vais chercher, soit je le fais pas. Et donc, je pars du principe, tu vois, on a fait ce petit bout-là, je pouvais pas te laisser la meilleure méthode dessus. Moi, il fallait que ça soit voilà, nickel. Donc, tu comprends maintenant l'histoire des pas, l'histoire du tout, machin. C'est non, comme tu dis. Mais toi, t'es un bon quand même, tu me montres des belles choses, machin. Je suis un demi, bon. On verra. Ah non, non, tu sais très bien de quoi tu parles. Non, je sais de quoi tu parles. Lui, il est juste dégoûté et maintenant il va passer la police. Ça, parce que la main, ça fonctionne pas. Mais, comme j'expliquais, je sais pas si tu étais là, comme je disais, le prix de la polisseuse, le prix du 4K, oui, non, ça sera jamais égal à une prestation chez quelqu'un d'autre. Et en plus, tu as la matériel à toi. Et ouais, avec la polisseuse. C'est pas que j'ai pas le temps de faire ça, donc on va faire le monde, moi. Tu nous veux, on doit faire plein de choses. Avec la polisseuse à Christophe, l'avantage, c'est que t'es sûr de te tromper. Voilà. Tu peux pas dire ça, la polisseuse, je devrais lui donner un nom, j'ai jamais. Déjà, je l'appellerai Denise. Voilà. J'appellerai la polisseuse Denise. Et ceux qui m'ont suivi vont savoir pourquoi. Elle grillera pas, et tu grilleras pas Bernie. Ah oui, bah Denise n'a pas grillé la voiture. Si tu veux pas appuyer comme un bœuf, bah elle me fondait les pads. Attention, en disant, elle, je la respecte. Regarde, elle les a fondus les pads. Pour te dire comment elle a crié, ils les ont jetés dans la poubelle apparemment. Je vais vous les montrer, moi. Je ne sais pas où ils sont. Moi, bon, c'est pas grave, j'ai pas fouillé dans la poubelle. Mais elle les a tellement crié. Denise, j'ai cherché les pads. On a trouvé le nouvel nom dans le machin. Si, t'as tellement appuyé que t'as fondu les pads, mais c'était pour montrer ta force. Denise, on n'allait pas dire, on n'a pas dit qu'on a, vous allez finir en EHPAD. Loin de la fille. Non, hein. Et par contre, Denise, j'ai envie d'appeler ma polisseuse Denise. Denise. Alors, et les gens qui me suivent, ils sauront pourquoi. Parce qu'on a du mal à croire comment vous avez fait la voiture. Honnêtement, ouais, franchement, respect. Franchement, Denise. Forcément, non plus. Je suis désolé, j'entends bien. Ah oui. Et maintenant, tu verras tes copines. Attends deux jours, s'il te plaît. Non, ce que je veux dire, parce que vous avez Facebook. Non. T'as Facebook, ouais. Georges, comment il s'appelle? T'as vu, il y a un J, hein, je sais. Hein. Jérémy, t'as Facebook. Bah, et bien maintenant, tu diras à ses copines ou à des copines, c'est normal. Ben, c'est même ma mère et moi qui l'avons. Ah ben, ils vont pas y croire. S'ils ne voyaient pas la vidéo, ils vont dire que c'est pas vrai. Bah, oui. C'est obligatoire. Ah ouais, bah si. C'est même moi, j'aurais pas cru voir un Christophe. Vous auriez connu travail, hein? Vous n'avez pas pu voir. Ah, c'est parce que. Non, il me fait avec amour, là. Là, il a fond dedans, là. Il est comme toi, Denise. Denise, il a envie de polir. Les gens, ils ont envie de polir. C'est une future nouvelle panne que Christophe. Ouais, bah oui, mais ça, c'est le truc qu'on essaie, les gars. Parce qu'en fait, j'ai plein de tests. Regardez, on m'envoie plein de tests. C'est ça, l'histoire. Celle-là, elle ne serait pas barrée. Oui, Denise, mais comme c'est en test, tu vois, Denise, c'est en test, hein, c'est ça l'histoire. Ouais. Et ce serait pas barré. J'aurais jamais pensé que tu allais appuyer aussi fort. J'ai dit, elle aura pas de force. Bah, ouais, bah, tu penses, Denise, elle le sait, bah, elle a mis son corps. Je vais pas dire, elle a fumé le truc. Ah, bah, elle a tout fumé, elle, hein. Bah, elle a fumé, bah, elle me l'a dit. Il m'a dit, ouais, attends, va la voir, parce qu'elle fumait les pads, ça prenait feu. Non, tu l'as vu, Jean-Pierre, ou pas? Ouais. Non, c'est vrai. Hein. Elle a fumé le pad, mais ça prouve que t'as une bonne machine, parce qu'elle a pas fumé. Ah, bah, attends, oui. Ah, oui, mais à la limite, on croirait que c'était la policeuse qui fumait. Moi, elle me fait peur, Denise. Hein, Denise, je te jure, c'est un truc de malade. Hein. Donc, tu vois, Denise, là, t'as reposé tes yeux, là. Mm-hmm. Vous avez reposé les yeux, Jean-Pierre. On va la regarder, la voiture. On la regarde une dernière fois. Bah, juste pour savoir, je te laisse terminer, parce que toi, t'es à fond dedans. Venez, on va la revoir. On l'a déjà mis en vente. Ben, tu sais quoi? Ben, dis ton prix, vas-y. Regarde maintenant, Denise, comment elle est belle. Regarde ça.
Regarde, quand tu la regardes, quand tu as pu poser tes yeux dessus. Eh ben, je vends de suite, hein. Bah alors, dis-moi combien tu la vends. Parce que c'est une Lexus, ça vaut combien? Ah, ça vaut 9, ça vaut 70 000. 70, entre 70 et 80 000. 80 000 euros. Tu la vends combien? 20 000. Oh, c'est vrai? Quelle année? Elle est de 2010. Ouais. Et elle a 160 000 km. Oh la vache, combien de chevaux? C'est un 3 litres 5 V6, 300 chevaux. Et avec une prestation de Denis. Et les gens ne vont jamais y croire. C'est pas possible. Ceux qui sont pas sur mon Facebook, ils peuvent pas le croire. Regardez la beauté qu'elle a fait. Regarde, même ça, vous l'avez fait. Oh là 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 là. Mais moi, j'adore. Alors maintenant, cuir. Alors, tu viens de nettoyer tes cuirs. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien. Oh là là, t'as vu comment. Alors, on est mieux. Hein ouais. T'aimes bien. Ouais, c'est hein pas mal. Ouais. T'aimes bien. Et voilà, les gars. Je vous le dis, moi. Et bon, t'es fier de toi. T'es content là de toi. Donc, t'es content de m'avoir écouté. Ah bah ouais. Et tu viens de où? Moi, je viens d'Annecy à la base. Annecy. Viens ici, Kébé. Eh, je suis revenu chez les parents pour venir faire la voiture. Ouais, c'est un truc de malade. Ben, merci, Denise. C'est vrai qu'elle est magnifique. Franchement, hein, Denise, quand on a plus. Jean-Pierre, t'es fier là? T'es content ou pas? Oui, quand même. T'as vu? Et t'y as pas cru au départ? Non. T'avais eu peur quand t'avais regardé la voiture? Ben, au départ, avec la lumière, t'as tiré la tête. Hein. Je t'ai vu. Hein. T'as fait. Un massacre. T'as cru qu'on l'aurait rayé. Regarde maintenant la voiture. Mais en tous les cas, t'as une belle voiture, Jean-Pierre. Ouais. Franchement. Ouais. Ah non, mais alors, la voiture en elle-même, elle est hybride, hein, c'est électrique. Ouais. Hein, ouais, c'est hybride. Ah ouais. Non, mais je suis content parce que ça montre encore que, bon, maintenant, Denise, vous êtes connue. J'y peux rien, Denise, 68 ans. Je l'ai dit parce qu'on cache pas l'âge. Hein, 68 ans, avec son fils en train de polir la voiture. Et voilà. Bah, toi, t'as eu de la chance parce que t'étais à 450 euros, sinon. T'aurais jamais cru que t'allais faire ça, hein. Et moi, j'y ai pas cru. C'est les parents qui payaient, hein. Ouais, mais je suis d'accord. J'aurais fait gagner de l'argent. Et oui, mais Denise, elle a pas voulu payer, hein, parce que je te jure, elle a défoncé la voiture avec sa poliseuse. Non, mais Denise, c'est bien, franchement. Ouais, non, vous êtes fiers de vous quand même? Ah, bah oui. Hein. Et là, je vais prendre une petite photo, prendre en photo quand même. Ouais, j'ai pris. Hein, prends en photo, vidéo pour dire que voilà. T'aurais même dû prendre des vidéos en montrant ta maman pour lire. C'est dommage que tu l'aies pas fait. T'as raté le coche. Tu les as sur. Ouais, après tu me diras, il y a mon Facebook, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça fera de la pub. Ah bah là, tu sais quoi mais elle a tout nettoyé les joints et tout. Hein. Ouais. Il y a rien. Mais de toute façon, il fait pas de poussière. Hein. Tiens, là, ça prouve, t'as même pas passé un Karcher. Après le polish, on a passé le Karcher à l'eau chaude, là. Ah, parce que vous l'avez ressorti? Ouais. Ah, mais je savais pas. Si. Oh, putain. On fait les choses bien. Putain, d'accord, ok. Parce que je dis, il y a rien. On les fait bien ou on les fait pas. Ah, mais je savais pas. Bah non, mais t'as eu raison. Ah, voilà, vu là le résultat. Putain, oui, il accroche pas. Mm. Hein, les joints, tout. Bien joué, les gars. Franchement, même les optiques. Voilà, c'est parce que, en fait, en regardant ça, c'est parce que ça me fait plaisir, tout ça. Hein. Bien sûr. Allez, comme je dis toujours. Clap de fin. Non, c'est pas dit. Attention, tu regardes pas mes vidéos, toi. Pas tout. Bon, c'est pas grave. Ça fait pas longtemps. Comme je dis toujours, fin de citation, je vais juste regarder ce qu'ils font. On va voir un peu. C'est lourd, quand même, tu le sens. Oh. C'est bon, tu veux lui faire sa voiture? C'est une boîte auto. Ouais. Tu veux lui faire toute la voiture? Non, j'aime bien, c'est bien. Regarde. C'est ce que tu veux. Hein. On n'est pas trop mal là. Bah oui, hein. Avec une orbitale excentrique, c'est pas mal. Hein. Ouais. Toi qui as l'habitude d'être avec la rotative. Ouais. Là, je te mets un petit covering noir mat et puis t'étais bien, tu vois. Oui, là il faut. Alors, noir mat, tu vois rien. Hein. C'est parce que j'ai pas le temps. Hein. Parce que moi, j'arrête jamais, les gars. Allez, alors je regarde un peu. Tu peux nous donner le tel de monsieur de Bordeaux. Alors, tu veux donner ton numéro de téléphone? Société CPI Hygiène, à Mont-de-Marsan. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 82 65 31 49. Voilà. Tous les produits livrés sur Bordeaux seront livrés gratuitement. On trouvera un point relais ou un arrangement de point de rencontre avec un jour prévu. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Voilà, je regarde les questions. Je suis le monsieur Dévreux qui vous a appelé tout à l'heure. Vos produits, ils sont vraiment géniaux. Merci, monsieur Dévreux. Mais moi, il y a trop de gens qui m'ont appelé. Un appel par minute, tu l'as constaté? Même une minute, c'est long. On est d'accord, hein, donc je peux pas mentir. Hein, parce que si jamais je réponds pas, parce que j'ai à un moment donné, il fallait que je mange. Après, j'ai tous les appels maintenant qui sont sur ma messagerie à répondre. Sans compter les SMS, les deux Facebook et YouTube. Voilà. Et puis après, les mails et après WhatsApp. Et après, j'arrête jamais. Et voilà. Mais c'est pas grave. Je l'ai créé, donc je me tais. Tu sais ce que disait Lara Fabien?
Non. Il y a trop de gens qui t'aiment. Je sais pas, moi, je fais juste les produits, les gars. Moi, je fais juste les produits. Je veux jouer, Christophe. Oh là là, fais-moi gagner un 4K. Oh là 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 là, c'est qui, JF? Bon, tu veux gagner, JF? Oh là là, allez, je vais te faire gagner. Je te jure, t'as intérêt de me répondre en message. Il y a qu'à toi que je vais le faire, alors. Tu me réponds vite fait. Qu'est-ce que je peux lui faire? Allez. Quelle est la marque de la voiture qui a été faite ce matin par Denis? Oui, mais ce matin, mais elle est encore là, je viens de la remontrer. Aujourd'hui. Ah, mais si, il n'est pas attentif, il a vu. Non, j'étais plus corsé que ça, moi. Vas-y, dis. Alors, JF Rubino, c'est que pour toi que je te le fais. Tu réponds en m'appelant. Ben non, il va t'appeler toi. Ou alors je fais le premier qui appelle. Le premier qui appelle. Ben oui, parce que ton numéro. Il est là. Ben je vais le noter. Allez, hop. Allez, on va le faire. Il veut que je fasse un jeu. Eh ben, je vais le faire. Allez, la carte de visite, comme ça vous allez la voir, sa carte. Bon. Bon, on va y aller. C'est bon? Vous êtes prêts? Vous êtes parti? Oui. Denise, j'appellerai ma policeuse Denise. Je comprends. Si j'en fais une autre. Jean-Pierre, t'es salut. Content? Ouais. Bon, vous êtes vraiment content, hein? Ouais, ouais. J'ai rabaissé, mais pas fermé la lumière. Non, t'inquiète pas. J'ai rabaissé le... Non, après, je m'en occupe. Et Denise. Ah oui, oui, oui. Ouh là là. Et heureusement, Denise, hein? Alors, viens, Denise, viens, je vais te montrer. Ah bah oui, Denise, je lui ai dit. Parce qu'elle m'a rangé carrément le garage en plus. Elle m'a tout rangé, elle m'a nettoyé les WC et tout. C'est vraiment nickel, Denise. Alors, le 4K, il n'y en a plus. Alors, t'auras le 4K. T'auras celui-là parce que j'ai envie. Donc, je t'offre celui-là. C'est pour, tu verras, c'est pour la salle de bain et tout ça. Et ça sent très bon. Tu vas adorer. J'ai le produit à laver par terre, tout ça, mais pour l'instant, je ne peux pas. Parce que là, c'est simple et tout ça. Et après, je vais te donner l'anticalcaire. Donc, il y a une palette qui est quelque part. L'anticalcaire, où est-il? L'anticalcaire. Attends, hein. Je regarde. Tiens, à la limite, il y en a un là parce que je sais même pas où ils ont mis la palette. Regarde, Denise, voilà. Denise Fabre, voilà, comme ça je me rappellerai. Merci bien. Jean-Pierre Foucault. Attends, je te donne l'éponge. Il y a l'éponge. Bon, je vais faire un jeu, hein, JF. Attention, hein, je rigole pas, moi. Parce que tu m'as dit que tu veux gagner un 4K, je te jure, j'y peux rien si tu n'appelles pas. Alors, ça, c'est l'anticalcaire. Ça, c'est l'éponge. Quand vous avez pulvérisé sur la vitre. D'accord, c'est un anticalcaire sans acide, donc ça n'attaquera ni l'alu, ni les joints, ni l'inox, parce qu'à un moment donné, l'acide attaque. D'accord. Ça, on va pas me l'enlever, les chimistes te le diront, tout le monde te le dira. Dans Internet, tu peux regarder dans Google. Donc, c'est, en Europe, je suis un des seuls, et bien sûr, tu peux essayer toutes les marques, tu peux les mettre, je les ai tous chez moi, hein. Donc on peut faire un test, je bats tout le monde. D'accord, bah, c'est bien. Voilà. Merci. Donc tu l'essaieras et puis vous laissez. Non, je te dis tu, oui, hein. Bah, oui, bah, hein, c'est bon, on tue, hein. Non, on se connaît. Hein. Ouais. Et ben tu l'essaieras et puis tu m'en diras des nouvelles. C'est un petit SMS, ça me ferait plaisir. D'accord. Et l'autre c'est pour la salle de bain, ça sent très bon. Mm-hmm. Regarde, tu fais juste ça, c'est juste pour te montrer la senteur. Bah, tous ceux qui l'ont essayé. Hein. Mm-hmm. Voilà. Moi j'ai pas l'odorat, hein, mais apparemment ça sent trop bon. Ça sent bon, ouais. Mm-hmm. Ça sent bon. Tu vois. Mm-hmm. Et ça, c'est ce qu'il y aura sur mon site internet, jamanscar.com. Je vais le remontrer parce que vite fait, parce que les gens vont me dire c'est quoi le site. Ben c'est celui-là, les gars. Jamanscar.com. Bon, JF, je te pose une question. Le premier qui appellera sur le numéro de... Comment je t'appelle déjà? Olivier, pardon. Olivier. Moi, je sais pas où j'en suis. Hein. Et moi, j'arrête jamais. Hein. Merci, hein, rentrez bien. Voilà, le premier qui appelle là, ça sera bon. Alors, attendez la question, s'il vous plaît. Il y a deux Indiens sur une colline. L'un est le fils de l'autre, mais l'autre n'est pas son père. Qui est-ce? Je l'avais déjà faite, mais j'avais que ça sous la main. Il y a deux Indiens sur une colline. L'un est le fils de l'autre, mais l'autre n'est pas son père. Qui est-ce? Tu saurais toi répondre à celle-là? Tu t'imagines deux Indiens sur une colline? Il y a, l'un est le fils de l'autre, mais l'autre n'est pas son père. Qui est-ce? C'est pas évident, hein. Tu vas me dire, c'est son grand-père. Non, je t'ai dit qu'il y a deux Indiens sur une colline. L'un est le fils de l'autre, mais l'autre n'est pas son père. Qui est-ce? Eh ben voilà. Oh putain, Romain. C'est qui? Allô, Romain? Il ne veut pas me dire ça. Vas-y, mets le parleur. Oui, Romain? J'entends, mon ami. Alors, c'est quoi? C'est quoi? De quoi? C'est quoi? Bah, la réponse. Il y a des réponses. Ah, mais je pourrais être donné. Ah, ben non. Mais non, c'est la bah, alors, il faut que tu... Attends. Pardon, Romain. Ah non, putain, t'as rapproché le gars.
Attends, je le rappelle. Ouais, parce qu'il faut rappeler lui. Ah ouais, rappelle le gars. Je me rappelle. Bah ouais, parce que c'était lui. Hein. Celui-là, ça serait pas... Faut que j'en donne deux. Eh, hey, c'est un 4K, un police 4K, les gars. C'est dommage, je réponds pas. Il est en train de laisser un message sur le répondeur, je crois. L'appel à un ami. C'était vraiment celui-là, le gars ? Oui. Alors, vas-y. Bon, écoute, je vais rappeler... Il y en avait putain, c'est vraiment dommage, hein. Parce que lui, il avait appelé. Hein. Mm. Non, bah raccroche. C'est vraiment ce gars-là qui avait gagné, je pense. Waouh. Romain, il n'avait pas compris. Romain, non. T'as pas compris l'histoire. Romain. C'est pas grave, Romain, on t'en veut pas. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors, la réponse ? Lexus. Ouais, alors. Oh, merde. C'était la première question, mais la deuxième question, c'était l'Indien. Ouais, on a tout mélangé. Bah oui, de me faire faire des jeux en direct comme ça, c'est parce que lui, il prend mais les Lexus, gens Lexus, il a des minutes. De... Il y a des minutes, là, Lexus. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Bon. Bon, allez, il a un 4K. C'est allez, pas t'as grave. Un 4K. Tu envoies l'adresse, ton nom, prénom, adresse. Tu m'envoies par c'était texto. La première question parce que moi, je suis obligé de le faire. T'envoies nom, prénom, adresse et c'est bon, t'auras le produit. T'as le produit. Et t'habites loin ou pas ? T'habites où ? Dans le 59. Et de où alors ? Valenciennes. Tu veux venir le chercher ou on te l'envoie ? Bah, si tu pouvais, tu me l'envoyer. Non, mais on te l'envoie, c'est comme tu veux. Si tu as envie de venir, tu viens. Et sinon, bah, on te prend. J'ai déjà gagné ma Madwax. Oh, putain, alors toi, t'es un fan que tu me suis de malade. T'as déjà gagné un Madwax ? Hier. Oh, putain, mais t'es un bon, toi. Ah oui, t'es un bon. Et lui, il est fou. Bah, là, c'est bien, parce qu'on fera une pierre deux coups. Alors, tu t'appelleras demain pour Dimitri ? 06 82 88 10 25. Dimitri. Ouais, bah oui. Et t'as vu et toi, tu veux vraiment gagner, toi Bon, bah vas-y, c'est bon, on est bon allez, alors. Allez, envoie-moi ton nom, prénom, adresse complète. C'est et j'envoie à Dimitri la fiche. Et il y a des centaines de personnes qui regardent. Merci à toi. Allez, bonne soirée. Salut. Bon, bah la deuxième question, personne n'y répond quand même. Bon, personne, ouais. Dépêchez-vous. Je remonte le jeu. J'ai eu personne. Il y a deux Indiens sur une colline. L'un est le fils de l'autre. Mais l'autre n'est pas son père, qui est-ce ? Oh la vache, il ne veut pas se cadrer. 06 82 65 31 49. Vous savez qu'il distribuera à Bordeaux, hein, donc vous le savez maintenant. Hein. Alors, tu saurais répondre à la question, toi ? Non. Et vous pouvez même jouer, hein, alors ? J'allais dire son frère, mais non. Mais non. Son père. Son grand-père non plus ? Non plus. Son fils ? Non. Non ? Ah. Eh ben, il a gagné, lui, par contre. Oui, allô ? Allô ? Oui, salut. Salut. Alors, dis-nous tout. Tu as la réponse ? Bah ouais, c'est la mer. Bah oui. C'est la mer. Mais tu es... Ouais. Bah oui, parce voilà. Qu'il y a deux Indiens sur une colline. L'un est le fils de l'autre, mais l'autre n'est pas son père. Qui est... C'est pas son père, c'est sa mère. Et comme on dit pas, il y a un Indien et une Indienne, c'est le masculin qui remporte. On n'y peut rien dans la langue française. Donc, on dit bien, il y a deux Indiens sur une colline. C'est sa mère. Christophe avait raison. Quel ? Toi. Ah ben non, c'était une réponse. Oui, c'est normal, j'avais raison. Donc, ah. Ben, bien sûr, qui a gagné ? Tu es de où ? Fourmi. Alors, ça veut dire où ? Dans la... Pas loin de Maubeuge. Ouais, c'est vrai, ça va. Ben, soit tu passes, soit on te l'envoie. Je préférerais que tu l'envoies. Ouais, ben non, tu passeras. Non, non, je rigole, on va te l'envoyer, t'inquiète. Et j'arrête ces jeux-là voilà. Parce qu'à un moment donné, Dimitri va me dire, vas-y, tu donnes tout. Même chose, tu m'envoies ton nom, ton prénom, ton adresse complète. En SMS. Moi, bon, SMS, et j'envoie tout à Dimitri. Voilà. Voilà. Y a pas de souci. Une très bonne soirée à donc, toi. Donc, ben, profite bien du 4K. T'avais déjà acheté ou pas ? Ouais, ouais, il m'en reste un peu, là, mais c'était la fin, ça tombe bien. Ah, la vache. Et alors, t'en penses quoi ? Bah, je t'ai déjà envoyé des messages, c'est de la bombe. Bah oui, c'est de la bombe, mais moi, j'ai pas rien. Je ne sais même pas qui tu es, mais... t'as un pro ou pas ? Non, un passionné. D'accord. Donc, t'avais essayé quoi à la base, avant ? D'accord. Et là, moi, le mien, il est comment alors ? Bah, il est top. Ah oh, la vache, j'adore. Et t'avais quoi comme polisseuse ? Rupes. Non, une polisseuse sur Amazon, pas très cher. D'accord, ok. Non, bah, c'est très bien. Donc voilà, bah, voilà, ça fera encore une pub pour moi parce qu'ils s'en est servi. Bah, tu vois, t'arrives à la fin, bah, t'es nickel. Avec. Comme j'ai toujours. Je te suis souvent, ça fait plaisir. Bah, ça me fait plaisir. Alors, si tu me suis souvent, je dis, comme j'ai toujours.
Ouais, là, tu sais, alors, c'est ma petite réponse. Merci de ton appel, hein. Envoie-moi les coordonnées. Hein. Ouais, y a pas de soucis. Allez, très bonne soirée. Vous aussi, salut. Donc, ben maintenant, alors, toi, tu es content? Ouais, très combien content. Combien tu vas payer, là, pour ça, déjà? Bah, je sais pas, je vais te prendre des produits. Ouais, mais là c'est une prestation de malade, là. Hein? Là, c'est une prestation de malade, ça, les rayures. Hein. Combien tu ferais payer, toi? C'est pas assez. C'est vrai? Ouais. On l'a fait avec amour? Ouais. J'espère l'avoir fait avec amour. Bah, tu fais payer combien? Allez. On s'en fout. Voilà. Tu prends des produits, tu prends pas de produits, c'est pas grave. Donc, bien sûr, on t'a enlevé par la meilleure par la polisseuse. Et ouais, mais non, mais tu sais très bien que je peux pas. Tu sais très bien que je peux pas. Et j'en ai encore 4 en service après. Mon préparateur, la plus belle des récompenses, c'est la satisfaction. Ben, bien sûr, mais moi, j'ai toujours été comme ça. C'est pour ça que j'ai jamais su te dire de prix. Pourquoi j'ai toujours fait un peu gratuit? Ben, parce que pour moi, c'est tellement inné à simple. Plaisir aux gens. Que je dis, ben, attends, 600 euros la porte qu'il vous a dit le carrossier, mais non, je travaillais 10 minutes. Elle me dit, ben, je vous donne 20 euros. Non! Je veux rien, je peux pas, moi. Non, prenez un produit. Non, c'est bien. Parce que c'est trop, c'était un chat qui avait fait ça, non? Ouais. Ouais, je me dis, ben, ça se voyait. Tu vois, tu m'as pas dit, mais je le sais. Mmh. Ça se voit. C'est un chien, ça. Allez, comme j'ai toujours, fin de citation, je veux jouer, alors c'est bon, et JF, hein, j'y peux rien, hein, t'as eu ta chance. Hein. Je suis le monsieur d'Evry, ok, alors hop, Pascal va me former, on fait la mienne bientôt, merci à toi Christophe, tes produits sont top, j'ai beaucoup de personnes qui vont commander, ben je t'en remercie, c'est super, Pascal, forme-le bien sûr, réponse rapide, merci d'avance, j'ai essayé de répondre, ok, je sais pas, je vous remercie pour votre réponse, merci beaucoup, je suis de... Alors, réponds-moi s'il te plaît, oh, je sais pas les gars... Regarde, salut le Nounours, je t'aime. Tu peux nous donner le tel de monsieur de Bordeaux. Donc c'est bon, je l'ai donné. Produit de fou, le 4K. Merci les gars. Et ben voilà, non, je vais perdre encore. Ah ben JF, arrête. Hein. Tu peux pas l'acheter. Ouais. Sa mère, son frère. Ah ben oui, ben, il y en a qui avaient répondu, mais il fallait rappeler les gars. Allez, comme j'ai toujours, fin de citation, parce que là, je parle depuis ce matin. Ouais, tu vois, t'as plus de... Je peux plus là. Allez, comme j'ai toujours, fin de citation.